Salut tout le monde, c'est ProFarmer pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 18. Alors juste un petit truc juste avant. Attendez, d'abord j'ai juste fermé ma fenêtre. Parce que sinon vous allez entendre plein de bruit, ça va vraiment vous embêter. Oula, j'ai mon bureau qui est en train de s'effondrer, c'est pas très grave. Alors donc oui, je disais, un petit changement. En fait, aujourd'hui, il n'y aura pas le sixième épisode de la guerre suivie. Je suis vraiment désolé les amis. Mais en fait, je voudrais directement vous montrer la nouvelle petite carrière qu'on va faire. Qu'on va faire, excusez-moi. Donc nous allons directement commencer. Donc c'est carrière 3, saison 3, épisode 1. Donc je vais directement vous montrer. J'ai déjà commencé à acheter quelques moutons. Je crois que j'ai déjà une 150aine de moutons. Donc je vous montrerai tout ça. C'est parti, on commence. Donc vous voyez, il y a la carrière suivie. Et en dessous, j'ai fait une petite partie pour moi parce que moi je m'ennuie un petit peu. Donc voilà, donc ils vont vider en attendant. Attendez, j'ai peut-être coupé le son. Ouais. Donc voilà. Nous y sommes. Donc ici nous avons tout le matos. Vous voyez bien, ça fait du bien de retrouver tout notre petit matos. Hein. Totalement d'accord avec vous. Alors, ici on va lancer la petite faucheuse. Alors on va directement bouger la moissonneuse pour prendre, bien sûr, semer le champ. Parce que je ne sais pas comment on va faire alors. Donc eux, ils sont en train d'aller vider les... Allez. Les cochons. Regardez, on en a quand même beaucoup. Hein. Regardez tous les cochons qu'on a. Beaucoup, les gars. Alors, donc, il nous faut directement un petit semoir. On va prendre le plus gros, comme ça ira beaucoup plus vite. C'est vrai que ça fait du bien de retrouver notre petit corps de ferme, parce que ça faisait quand même longtemps. Hein. Je suis maître. Totalement d'accord avec vous. Alors, on va directement commencer, mais on va faire du colza si ça vous dérange pas. Donc c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez vraiment aimer cette petite carrière, enfin cette petite saison. Bon, en tout cas, je suis déjà à fond dedans. Donc ici, on a un petit challenger. Donc voilà, c'est parti. Il va se lancer, il va ramasser tout le truc. Alors ici, lui, il en a. Oh là là, putain, je peux parler. Excusez-moi. Toi, t'es encore à 100%. Toi, tu arrives à la ferme. Ok. Ils sont tous occupés. Alors, on fera des ballots, tous les trucs comme ça. Vous verrez bien. Je vais rien vous gâcher. Vous cacher, pardon. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué. Donc, ils sont en train de tous aller se vider. Alors, en attendant, nous, on va aller semer un autre champ. Si j'arrive à m'en sortir, parce que sinon ça n'ira jamais. Putain, il est où? Il est là. Alors, donc, on va aller semer du blé. Je vais vite passer comme ça. Ça vous dérange pas sur le champ là en face, hein? Moi, je trouve que ça irait bien. Donc, le live sera demain avec déballage high-tech. On a un petit peu parlé ce matin. On a un petit peu regardé. Donc, le live sera avec déballage high-tech, comme je vous l'avais dit. Donc voilà. Ensuite, je vais voir ce que je vais bien faire. Ah oui. Hop, on va directement commencer par reculer ça. Ok. Oui, c'est normal. Alors, nous achetons des moutons. Regardez, on a déjà 150 moutons, les gars. Oh, cochon. Je suis vraiment désolé les gens, je suis très fatigué. J'ai genre passé ma journée à m'ennuyer. Donc voilà. Alors j'espère qu'il va reculer parce que là, voilà. Donc on a déjà 150 moutons, je vais voir peut-être pour aller jusqu'à 200 moutons. Cochon, oh qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Non, stop, je recule. J'ai acheté beaucoup de jeeps et tout ça. Alors, je vous disais, donc après la guerre suivie, je pensais faire continuer à fond cette série-ci. Et puis, je ferai un style de truc genre quand j'aurai fini cette petite carrière-ci, enfin cette petite saison, je ferai genre un truc, je revends tout et on fait genre un vieux truc, vous voyez. Genre avoir toutes des petites machines, des vieilles choses et tout ça. Franchement, je trouve que ce serait pas trop mal.
Alors, après, je vais vous montrer quelque chose que j'ai vraiment passé beaucoup de temps à faire. Qui est très chelou, toi. T'es complet, mon gars. Tu vas où, là, comme ça? Man, gueux. Non, ça, c'est le premier qui arrive, quoi. Donc, désolé si vous entendez du petit bruit. Donc voilà. Donc ici, lui, il a fini. Donc désolé si vous entendez un petit peu de bruit. Donc voilà. Désolé si vous entendez du bruit, c'est normal. Alors, on va voir. Ah, lui aussi, il a fini. C'est assez bizarre, n'empêche. Donc on va s'arrêter ici. Voilà. Je vois qu'on a encore du bois à ramasser. Ah, qu'est-ce qu'il a lui? Oh, ça va, il a rien. Toi, t'es toujours à 100%. T'es aussi à 100%. Aussi. Toi, tu reviens. Toi, tu reviens. Voilà, donc je vais prendre ma petite Jeep orange qui doit être quelque part. Allez là, donc j'allais directement vous montrer ce que j'avais à vous montrer. Donc cette partie. Donc s'il faut là lui. Donc c'est notre ferme. Voilà, donc c'est ici. Comme vous le voyez, j'ai trois bennes josquin qui sont remplies de fumier. Enfin, il y en a deux et une qui est remplie à moitié. C'est bien, on aura on va tenir plusieurs saisons avec ça. Donc voilà. Alors, ben, en parlant, on va en attacher une. Voilà. Je sais pas s'il peut faire. Non, il peut pas faire. Il peut juste la transporter, c'est pas trop mal. En même temps, je crois pas que sur un champ tout vide, je crois pas qu'il peut faire. Enfin, je verrai bien. Donc, je sais pas du tout combien de minutes ça fait déjà de vidéo. J'en sais rien. On s'en fout. Non, donc, vous voyez, je dois prendre un tracteur. Donc, le Hurlimann alors. Donc ça, je vais laisser ça ici, je vais détacher. Tu vas là. Attendez. Ici, stop. On recule. J'ai dit on recule. Ah non. Donc voilà, on en a 200. Donc. En bétaillère, on revend tout. Voilà, je vais voir c'est laquelle. J'espère que c'est bien la orange qui me reste. Oui, yes, ça c'est nickel. Alors, donc qu'est-ce que j'avais dit? Oui, c'est juste le petit ici. Hop, on remet ça là. Hop là. Donc on va directement aller chercher, c'était quoi qu'on allait chercher? Ah oui, les pondeurs. Donc voilà. Désolé pour le bruit. Est-ce qu'il va y arriver? Il va y arriver. Il a réussi. Alors, on va aller directement à l'autre bout du champ. Je ne sais plus combien de mètres ça prend. Comment je vais mettre comme ça. Moi, je le laisse bosser. Alors, ensuite. Attendez que je vois.
Celle-ci est 37%. Ouais. Combien? 34. Oh, ça descend quand même vite en fait, hein. Alors, je me disais, comme on a donc ici, statistiques, on a encore 19 tonnes de colza, 10 de betterave, 10 de trucs. Donc on va prendre notre petit camion, aller vider tout ça. On va juste faire les 19 tonnes de colza. Et puis la vidéo se terminera. Donc voilà. Donc demain le live, je dois encore voir avec déballage high-tech. À quelle heure on le fera donc? Je vous dirai. Logiquement, je ferai peut-être une petite vidéo au matin sur la carrière suivie. Où ce que je vous expliquerai tout ce qu'on fera dans le live. Donc je ne sais pas s'il y aura un jeu ou deux jeux. Je verrai bien avec déballage high-tech. Si je le fais dès le matin ou. Ah mais non! Non, non, je le ferai je le ferai au soir. Donc demain, il n'y aura pas de vidéo pour vous lire. Donc ce sera au soir, comme ça, vous le savez. Merde, c'était ici que je vais m'arrêter. Donc ce sera au soir. Comme pendant la journée, je ne suis pas chez lui. Donc voilà. C'est où le colza? C'est là, putain. Merde. Bon, allez, les 19 tonnes, on rentre dedans. Putain, ça fait que 41%. C'est une blague. Le train, c'est bien ce que là je pensais aller vider. T'as comment je l'ai eu, il avait. Yo! Putain, question plein, celui-ci, il est ça, hein. Il avait 400, il est à 197. Il a beaucoup roulé, celui-ci. Il n'a jamais refait le plein, il me semble. C'est vrai qu'il roule beaucoup. Je sais pas vous, mais c'est vrai qu'il roule beaucoup. Et alors, je ferais peut-être genre un petit épisode comme ça, où on fait des trucs en camion. Genre, je remplirai plusieurs camions, genre que du bois, un que du bois, un que du colza, un que du blé, un autre que autre chose, ou des trucs comme ça. Enfin, je ferai tous des trucs comme ça, vous verrez, ce sera vraiment cool. Vous me direz si vous aimez bien. Oh, ça c'est mal fait par contre, elle devrait se baigner. Bref, on s'en fout. Donc là, on va directement aller remettre ça à notre petit champ là-bas. Voilà. Et puis la vidéo ne tardera pas à finir. Donc après, nous allons. Donc je vais directement lancer avec vous le petit machin, là, je sais pas quoi. Pour que ça pousse plus vite. Toi, tu peux rester là. Oh putain, comment il s'est pris l'arbre? Notre Fend. Il y a quelqu'un qui sait où il est. Il nous reste donc 18%, ce pas très très grave. On fera la moitié du champ. Donc voilà. Hop, c'est parti mon gars. Ensuite, le petit semoir, il retourne à sa place. C'est vrai que le challenger, je suis totalement d'accord avec vous, il est magnifique, franchement. Chapeau pour les réalisateurs de ce jeu, franchement. Je les félicite. Donc voilà. Alors, donc, toi, tu vas te mettre là. On va. On va reculer. Donc, voilà. Donc, les gars, n'hésitez pas à lâcher un gros, gros, gros pouce bleu. À mettre un commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à demain pour le live avec déballage high-tech. Salut tout le monde, c'était ProFarmer.